Bonjour les amis, bonjour chers parents. C'est encore moi, votre consultant réglementé en immigration canadienne, Boris Pissian-Duca. Je veux vous parler aujourd'hui d'un programme particulier, celui des élèves internationaux. Savez-vous que vos enfants peuvent venir au Canada, faire leurs études primaires ou secondaires? Et donc, c'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui. Ces programmes d'élèves internationaux des différents conseils ou commissions scolaires au Canada donnent un avantage indéniable à la fin des études secondaires de vos enfants au Canada. Et je m'en veux vous citer les avantages. Premier avantage, vos enfants ont la possibilité d'entrer dans les écoles et universités canadiennes dans les programmes dits contingentés. Entendons par programme contingenté des programmes qui sont très exigeants en termes de performance académique pour pouvoir avoir l'admission. Vos enfants ayant obtenu leur diplôme au Canada, qui sont déjà calibrés dans la nomenclature de l'école canadienne, ils pourront facilement avoir l'admission dans ces programmes. Nous pouvons en l'occurrence citer des programmes d'ingénierie dans les universités et certains programmes collégiaux qui requièrent les aptitudes de certains élèves pour pouvoir intégrer. Deuxième avantage, vos enfants auront leur admission dans les collèges et universités dès le mois de mai. Donc, les élèves n'ont pas besoin d'attendre l'obtention de leur baccalauréat pour savoir ce qu'ils vont faire après le baccalauréat, parce que rapidement, le caractère graduel de l'évaluation au Canada permet aux enseignants, aux directions d'école et aux conseils scolaires d'être déjà certain que l'élève va graduer à la fin de son programme d'études secondaires. Troisième avantage, vos enfants ont la possibilité d'accéder aux bourses offertes par les universités et écoles, des bourses de performance académique qui sont indexées aux moyennes obtenues par vos enfants dans les écoles au Canada. Ayant fréquenté dans le système scolaire canadien, vos enfants accéderont facilement aux bourses parce que les notes obtenues à l'école sont déjà dans la nomenclature des écoles connues au Canada. J'ajouterai un quatrième avantage, celui en particulier de l'Université d'Ottawa. Les élèves ayant obtenu le diplôme d'études secondaires en Ontario, au Canada, et en français en particulier, en intégrant un programme à l'Université d'Ottawa, ont la possibilité, en tant que francophone, d'obtenir des bourses d'exonération de frais de scolarité internationale. Ce sont des abaissements de frais de scolarité de minimum 27 000 $ par an. Imaginez, pour un programme, par exemple, de baccalauréat de 4 ans, ça fait une économie de 108 000 $ pour la famille. Je ne vais pas oublier de vous parler du processus d'admission. Le processus d'admission requiert que nous ayons au Canada, pour les enfants mineurs, c'est-à-dire les enfants de moins de 16 ans, un parent gardien. C'est quoi un parent gardien? C'est une personne adulte, résidente permanente ou citoyenne au Canada, qui accepte de prendre soin de votre enfant à son arrivée au Canada. La personne qui va répondre de votre enfant au Canada auprès des conseils scolaires et écoles est appelée parent gardien. Il n'est pas obligé que l'enfant habite avec le parent gardien, mais on a besoin d'un adulte qui sera le répondant de votre enfant au Canada. C'est un engagement notarié, c'est-à-dire le parent signe devant le notaire, les deux parents de l'enfant signent devant un notaire dans le pays où vit l'enfant. Et le parent gardien signe devant un notaire au Canada de son engagement à pouvoir être le répondant et l'accompagnant de votre enfant une fois arrivé au Canada. À défaut d'avoir un parent gardien, nous avons des maisons comme la maison Homestead et les autres qui ont des familles d'accueil capables d'accueillir votre enfant qui pourront vivre dans un cadre familial. Alors, vous pouvez dès aujourd'hui nous contacter via le site internet www.sacconi-immigration.com ou par nos plateformes Facebook,
YouTube ou WhatsApp et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner de bout en bout dans ce projet pour votre enfant.